Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le 5 avril, donc voilà. Et il est exactement 7h22. Donc là je vous fais un vlog. J'ai plein de choses à faire, je pensais que tout ok, ça se fait bien. Du coup c'est aussi bien d'allumer le couloir. Du coup j'ai ouvert le vlog de ma chambre. Là par contre je vais fermer la porte parce que tout le monde va venir. Et normalement il n'y a plus personne chez moi. Donc voilà. Oh ma chérie, hein. Bon bébé va bien, oui, hein. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais attendez. Je vais essayer de vous montrer un nouveau crapaud qu'on a. Voilà, donc madame, maman et petit bébé, il est là. Ça, c'est le petit bébé, ça. Il bébé? Oui, bébé. Bref, du coup, là, je vais aller voir ce que j'ai à faire parce que j'ai une petite liste avec des choses à faire parce que j'aime bien avoir des choses. Et que même, en fait, c'est une habitude en fait, que j'ai pris depuis que je suis petite de faire des choses. Voilà. Oui, effectivement, elle est chargée aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, je suis chargée. Bon, alors du coup, là, je vais m'occuper des choses les plus rapides à faire. Je ferai les choses les plus longues à faire après. Du coup, là, il faut un crayon. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, pour faire un pot à crayon, je vous donne une super idée. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. C'est plutôt bien pour ceux qui ont autant de crayons que nous. Et encore, là, il n'y a pas tout. En fait, on a pris un pot de fleurs très très beau, en fait, bien décoré. Et voilà, en fait, on s'en sert en guise de pot de crayon. Donc, c'est plutôt cool, dedans, on s'y retrouve facilement. Ou moyennement facilement. Ça dépend des jours. Du coup, voilà. Regardez qui c'est que je viens de retrouver sur l'ordinateur. Enfin, couché sur le clavier. Aïe! Du coup, il veut descendre de mes bras, mais voilà, je voulais juste vous montrer. Voilà. Il grandit tellement vite, mignon. Allez bébé, tu descends. Hop, c'est parti, moi je vais faire les corvées. Avec toujours de la petite musique, voilà. Donc voilà. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors du coup là, j'ai déjà fait deux choses. Et il est déjà 7h43, j'ai fait deux choses en à peu près un quart d'heure. J'ai fait déjà deux choses en à peu près un quart d'heure, c'est grave quand même. Que deux choses en un quart d'heure. Du coup, là, je suis retournée dans ma chambre parce que faut que je sorte le sac poubelle dehors. Donc, pour cela, il faudrait peut-être les clés chez moi. Je suis déjà tout essoufflée, les gens. C'est un truc de malade. Je vais prendre le balai aussi parce que j'ai fait les litières déjà. Et du coup, faut que je balaye le tour parce que il y avait de la litière. Après, il faudra que je sorte. Le fouf. Hein? Après, on va sortir. Voilà. Donc, les chats, depuis ce matin, ils font les cons. C'est bien, mais ils en mettent de partout depuis ce matin. Regardez. Ils font les zouzous, là. Regarde-le. Dis donc, t'arrêtes de faire con, là. Le temps est juste parfait dehors. Enfin, franchement, je crois que je vais aller prendre le soleil cet après-midi. Enfin, genre, s'il y a du soleil, je pense que j'irai me mettre au soleil cet après-midi parce que il a l'air assez bien le temps, donc voilà. Bref, du coup, là, depuis tout à l'heure que je vous ai laissé, j'ai fait deux choses. Donc, j'ai fait la vaisselle, je l'ai rangée, je l'ai faite. Et j'ai fait les litières de mes animaux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut que je balaye, en fait. Parce qu'en fait, vu qu'elle a plus de couvert, celle-là, ben, en fait, ils en mettent de partout. Oui, parce qu'en fait, on a deux litières, parce qu'en fait, voilà. Une là, une là-bas, parce qu'en fait, on a trop de chats, c'est pour ça. Du coup, j'ai mis un coup de balai, donc... Ouais, c'est un peu mieux quand même. Voilà. C'est quand même un peu mieux, du coup, je vais regarder ce qu'il me reste à faire. Je pense que là, je vais aller m'occuper de mes animaux. Voilà. Du coup, donc voilà pour ce que je vais donner à mes poules. Donc, du coup, je vais leur donner ça. Donc, en fait, c'est de l'eau avec du pain. Parce qu'en fait, ils ne mangent que comme ça. Vu que j'ai des canards aussi, c'est compliqué. Et pour mon lapin, je vais lui donner ça. Et je vais lui donner aussi une petite barre. Comme ceci. Et un petit peu d'eau, voilà. Donc, voilà. Bon, alors du coup, là, je vais essayer de vous embarquer avec moi. Ouh. Bella, tu viens? Allez, viens, Bella. Bref, du coup, j'ai tous les zouzous qui me suivent. Et il y en a juste une là-bas qui est attachée parce que, bah voilà. Hein. Faut la laisser attacher, alors on la laisse attacher. Et après, je vous montrerai un nouveau truc, donc voilà, bref.
Bon, alors du coup là je vais nourrir mon lapin et mes poules, voilà. On adore. Mon lapin est dans la toute mini cage que vous avez dû voir. Voilà. Du coup là je suis à la recherche d'une arrosoir. On adore. Mais en fait vu que je trouve pas, bah je pense qu'en fait va falloir que je me débrouille comme ça. Si je trouve pas d'arrosoir, faudra bien que je me débrouille un jour ou un autre. Du coup je pense que je vais couper le tuyau d'eau. Et c'est tout moi qui vais prendre. Tête comme d'habitude. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai tout pris dans la tête. Là je vais partir pour me sécher et je reviens après, hein. D'accord. Bref, du coup là j'ai tout pris dans la tête, donc je vais m'essuyer la tête et on y retourne. Bon voilà. Bref. Du coup je suis un peu. Wouh, je suis un peu retournée de la tête là. Oh, la porte va finir par ne plus s'ouvrir un jour. Voilà, bon bref, du coup j'ai pris le linge à étendre, mais en fait j'ai pas donné aux animaux encore. Du coup je vais poser ça dans un petit coin tranquille pour avoir le temps d'aller donner aux animaux. Donc je vais mettre ça là-bas dedans. Comme ça moi le chien je suis sûr il va pas. Je vais faire là, comme ça moi le chien il va pas. Bref, du coup je donne aux animaux. Bon, du coup je sais pas si je vais réussir à vous la filmer. Like, elle vient. Ah, elle s'est encore embobinée les pattes. Like, elle vient. Voilà, donc c'est elle. Et là, nous avons Monsieur Junior, le jaloux. Et dedans, on a Bella, hein, que vous voyez tout le temps. Quand je descends, parce qu'elle est tout le temps là, en fait. Hein. Voilà, le problème, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. En fait, elle peut pas aller dehors, parce qu'en fait, autrement, elle se bouffe le nez, vu qu'il y a deux femelles. En fait, celle qui est attachée, en fait, c'est une autre femelle. Et du coup, en fait, elle se bouffe le nez. Du coup, bah, on fait tout pour... ne pas qu'elles soient ensemble, mais voilà, c'est compliqué vu qu'elles sont dans la même maison. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sont dehors, c'est de la jalousie. Donc, on essaye d'éviter les jalousies comme ça. Il faut qu'on essaye de faire un roulement, un coup une attachée, un coup une détachée. Mais pour l'instant, c'est tout le temps la même attachée. Donc voilà. Voilà, donc en gros, j'ai étendu tout, tout, tout. Donc, vraiment tous les rideaux, etc. Et du coup, faut que je redéploie. Bon, alors du coup, j'ai remis le scooter à la place là où il était. Et voilà, du coup, je voulais vous expliquer un truc parce qu'en fait, vu qu'on a des chiens, en fait, c'est compliqué. Ils viennent faire leur besoin de partout. Et du coup, en fait, là, on est en train de mettre des portails en fait pour en fait avoir notre coin à nous, piscine et tout. Mais en fait, après, on aura le coin des poules avec. Du coup, c'est compliqué. Du coup, normalement, je suis censée lâcher mon chien, mais en fait, je pense que je vais la lâcher tout à l'heure. Ah mon dieu, t'approches pas de moi, t'es de la baffe sur toi là. Mon gros chien a tout le temps de la baffe sur lui. Bref, du coup, je la détacherai que tout à l'heure parce que là, j'ai pas trop envie de la détacher maintenant. Par contre, oh, c'est le gros bordel. C'est vraiment tout, tout cassé en fait. La porte est toute cassée, faudrait que je la répare. Ça serait bien de faire ça un jour, mais bon. Hein, on est censé agrandir la maison, mais bon, bref. On s'en fout, du coup, là, j'ai tout fait, MD. Il me restera plus qu'à lâcher Laika, donc voilà. Si vous vous demandez Laika, c'est qui? Bah, c'est le chien noir que je vous ai montré en fait. Bon, on m'a dit étant la lessive qui est dans la corbeille. Mais moi dans la corbeille en fait j'ai pas trouvé de lessive en fait. Y'a pas de nice. Même pas de corbeille en fait. Je sais pas si vous aussi ça vous est déjà arrivé d'avoir des mâles à la maison. Enfin des mâles, des chamans en fait. Et en fait qu'ils fassent leur venin de partout. Et là par contre c'est vraiment trop. Donc là si j'en trouve un il dégage dehors parce que je veux plus aucun mâle dans ma maison. C'est clair net. Ça va le venin de partout là. C'est vraiment dégueulasse. Regardez on voit bien le petit là. On le voit bien bien. Il est blanc et marron. Donc voilà il en a qu'un. Si tu passes par là voilà tu l'auras vu. Bon. J'espère que je vais trouver au moins un petit parce que si je ne trouve pas un, vite ma mère que je vais crier. Neige, tu dégages! Là, il n'y a personne. Bon, par contre, là, ça pue. Je pense qu'on va s'ouvrir. Il est vraiment aéré, là. Ouf. Voilà, donc là, je suis dans la chambre de mon frère. C'est le gros bordel. Mais c'est pas grave. Aïe. Je sais pas si vous voyez, mais vu qu'il a un lit mezzanine, en fait, il a aménagé cette télé là-haut. Je trouve que c'est bien. Vu qu'en fait, lui, il a deux lits. Vu qu'en bas, en fait, il a fait le lit. Quand il y a des gens qui viennent, c'est plus facile pour lui. Quand il a des amis ou quoi, ou quand... Ou même, c'est plus facile pour nous, quand même.
Bref, du coup, là, je suis dans mon ancienne chambre. Donc là, je vous ai filmé ma toute première vidéo. Je suis choquée de ma vie de revenir ici. Ouais, donc je reviens pas souvent, mais là, je vais aérer aussi. Mais je pense que je vais aérer un peu toutes les chambres, mais sauf la mienne, parce que la mienne, j'aime pas aérer. Je déteste ça. Bref, du coup, voilà. La chambre a hyper changé, en fait, vous voyez. Bon, le meuble est toujours là. Et là, en fait, à la base, il y avait mon bureau, le bureau à mon frère, mon lit, le lit à mon frère là-haut. Et ça, c'était sous le lit, en fait. Mais bon, bref, voilà. Bon, alors là, j'ai deux petits rastagouins là, qui cherchent à rentrer dans les chambres. Mais il va vite redescendre, le rastagouin gris, là. Allez, hop, descends. Descends. Dépêche-toi. Neige aussi, tu viens. Allez, hop, descends. Oh là là, je supporte pas quand mes deux petits là ils vont en haut. Parce qu'après ils font le bordel de partout, c'est horrible. Mais bon, c'est. Ouh. Ils font tout le temps le bordel, donc voilà. Bref, du coup, je vais remettre le canapé nickel. Bon, bah voilà, je pense que c'est mieux comme ça quand même. Hein. Ça fait quand même un peu mieux. Et du coup, j'ai faim. Je sais pas quoi manger, j'ai super faim. Par contre, je vais boire un verre de jus d'orange parce que c'est le truc que je bois tout le temps le matin. Et là pour le coup j'en ai pas bu ce matin et je sens que mon estomac me dit à l'aide voilà. Et en plus quand ça va être les vacances là il va falloir que je commence un traitement donc ça va être dur dur de commencer un traitement comme ça. Il va falloir que je réduise ma nourriture parce qu'en fait je n'aime pas trop les formes que j'ai pris durant quelques mois, donc j'aimerais bien les repaître. Donc en gros, le mois des vacances va être très cool. On va manger tranquille, ça va. Hein. On va pas se forcer à manger. On va pas non plus pas se forcer à manger. Hein. Je vais pas non plus dire que je vais pas manger. Pas dit que j'allais arrêter de manger, mais genre par exemple tout ça, bah genre essayer de réduire le temps que je passe dans le placard parce que. J'y passe au moins 4 heures dans le placard parce que je bouffe tout le temps en fait. Et en fait, je vais attaquer un traitement. Donc, je crois que je l'avais déjà attaqué les vacances dernières, mais j'avais pas pu continuer parce que je supportais pas. Enfin, mon ventre n'a pas trop supporté, mais il faudra bien que je le reprenne un jour ce traitement. Du coup, je sais pas du tout où il est, mais j'ai intérêt de le trouver. Parce que là, si je le trouve plus, je suis dans la merde. Parce que je l'ai quand même payé. J'aimerais éviter de le perdre en fait, tu vois. Ce serait cool de pas le perdre. Mais oh my god! Ma mère, je crois qu'elle l'a acheté. Non, mais c'est une grosse blague. En plus, elle a acheté mon thé. Je vais crier de la vie ma mère si je la trouve. Même. La thé, ma mère, quand ma mère elle va arriver, je vais la gueuler parce qu'elle a acheté les trucs. Non, mais. Sérieuse, elle en fait. Bref, du coup, là, il est 8h29, donc 8h30. Et je vais prendre le jar Fend 100% jus d'ananas. Voilà, on adore. Donc, dans un petit verre comme ceci. Bon, je sais pas pourquoi je kiffe trop ce truc, écoutez. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a une protection. Regardez, écoutez. Vous voyez, ça fait des clips, en fait, ça... Bref, en gros, il y a une protection. Du coup, ça, j'en avais acheté deux bouteilles. Donc là, j'en ai mis la première, l'autre est là-haut avec le coca. Le chat commence à me gaver, à passer tout le temps à côté de mon verre. Bref, du coup, je pense que je vais aller me caler devant la télé. Après, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Je vais me mettre devant la télé tranquille. Je vais prendre mon petit déj tranquille. Et j'entamerai un vlog cet après-midi. Donc là, je vais vous laisser. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et dites-moi si vous voudriez que je fasse vraiment que des vidéos comme ça. Enfin, genre où j'en tourne plusieurs à l'affilée, où je vous les poste. Toutes le même jour parce qu'aujourd'hui, normalement, vous avez 3 vidéos, mais vous en avez une de lundi, une de mardi et une d'aujourd'hui. Voilà. Bref, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Bisous!